Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite intro un peu bizarroïde, je l'avoue. Mais voilà, je voulais vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés, j'espère que vous serez heureux et que vous profiterez avec votre famille. Dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu à Noël, si vous avez eu de l'argent, ce que vous allez acheter avec. Et puis tout simplement, plein plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous plaira. Peace, mais pas sur moi. Pouh! Rentrons directement dans le vif du sujet. On va parler de sac à main, sac à dos, kit de sport, tout simplement. Donc là, on peut voir un sac à main Hugo Boss, tout simplement parfum. Donc vous inquiétez pas, tout est pour mec. Hein. Oui, il y a des sacs à main pour mec, ça existe. Donc tout simplement, voilà ce petit sac Hugo Boss qu'on peut porter avec les deux lanières basique qu'il y a dessus, et aussi avec une lanière qui nous permet de le mettre autour de nous, donc sur notre épaule, pour donner vraiment un côté plus sportif, on va dire, à notre allure. Et ensuite, voilà, vous pouvez voir les détails, quelques petits détails en faisant le tour de moi-même, et après nous verrons par la suite l'intérieur du sac. Moi en tout cas, c'est pas un sac que je vais forcément utiliser, hein, parce que je porte pas forcément de sac à main ou ni de sac tout court. Je suis pas quelqu'un qui en a forcément besoin. Après, oui, ça peut être intéressant, par exemple, si je suis dans des soirées assez classe et tout, voilà, tu ramènes des petites affaires dans un petit sac comme ça, parce qu'il est quand même assez classe, hein. Je peux ne pas le porter, mais avouer que quand même il a un côté assez classe, et voilà, moi je trouve qu'il rend vraiment bien avec une petite chemise noire ou voilà une petite tenue assez classe, ça passera toujours superbement bien. Pour ce qui est du sac Lacoste, donc on peut voir que voilà, il y a deux petites sangles qui nous permettent de le mettre comme un tout petit sac à dos, vraiment minuscule sac à dos. Mais il a une petite particularité et qui est vraiment extrêmement intéressante, c'est que voilà, on peut l'ouvrir. Donc ça, je vous le montrerai un peu après. Vous le verrez de toute façon en image. Mais voilà, il y a plusieurs petites cachettes, il y a plusieurs petites poches, voilà, à l'intérieur, ici et là. Et attention, il y a une fermeture cachée sur le dessous de la sacoche pour permettre une ouverture et de déplier le sac de sport, juste immense, de ce sac kit Lacoste Parfum. Donc franchement, c'est un kit qui est vraiment intéressant, et sur internet c'est marqué comme quoi c'est un kit, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal que j'emploie ce terme-là. Donc il est vraiment vraiment intéressant. Par contre, le petit bémol là-dedans, c'est que si vous n'avez rien dans ce grand sac, eh bien l'allure de ce sac va pas être terrible. C'est-à-dire qu'il va être tout flasque, il va tomber, il va être déformé vraiment. Donc il faut vraiment avoir quelque chose dedans pour que ça rentre plutôt bien. Après, la texture aussi n'est pas vraiment très bonne. Mais bon, ça reste des petits détails tout de même. Après ça, c'est vrai qu'il est tout de même très 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 intéressant. Bon, pour le dernier sac, c'est plus une petite sacoche, mais bien stylée quand même, de chez Jean-Paul Gaultier, donc la marque Cocorico Parfum, tout simplement. Donc la petite sacoche est en simili-cuir avec une petite lanière qui permet de le mettre autour de notre cou et sur l'épaule. Et malheureusement, il n'y aura pas d'autres pochettes que celle qu'il y a principalement, et qu'on peut voir à l'image tout de suite. Il n'y aura pas d'autres petites pochettes qui permettraient de mettre de petites affaires plus minutieuses dans un autre coin. Donc ça, c'est plutôt dommage, mais après ça reste un petit détail, ça peut quand même énormément servir. Donc voilà, petite sacoche Cocorico, plutôt cool, vraiment une bonne allure quand même, assez sportive, hein, avec voilà, le noir assez pétant grâce au simili cuir, et le petit rouge aussi assez, voilà, il est vraiment très très lourd. Moi je kiffe bien cette petite sacoche en tout cas.